5, ah, 4, 3, 2, 1, bonsoir. Là vous dites bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir, oh, c'est cool. Voilà, on s'appelle Tom Sawyer et les petits Grégory. On vient de Toulouse en France. Et c'est la première fois qu'on joue à Genève. On est content. Vas-y, mets de la musique. Donc on y va direct là, hein, pas d'intro. Hein, c'est... en gros, c'est une belle chanson d'amour, vous allez voir. Des fois je serai une fille, je serai comme ça. Et des fois je serai un garçon, je serai comme ça. Donc c'est facile à comprendre, vous allez voir. C'est facile. Je m'appelle Marie-Sophie et je fais plus que mes 13 ans. Le soir, je vais sur Tinder en cachette de mes parents. Je rejoins mon petit copain virtuel. Il s'appelle Jean-Patrick et il habite à côté de Berne. Ça ne me sent pas bien. Il dit qu'il pense à moi en touchant sa souris. Ouais! La 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 la, la 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 la, la 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 la, au plus petit que trois. La 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 la, la 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 la, la 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 la, on sait mais c'est comme ça. Je m'appelle Jean-Patrick et j'ai 48 ans. J'habite à côté de Berne dans le grenier de ma maman. Et le soir pour lutter contre de légères insomnies, je déroule un catalogue de pédophilie. Elles me disent souvent, la vie ça va trop vite. Et je réponds seulement avec une photo de ma bite. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mon oncle dormait avec moi. La 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 la. Maman, je m'ai levé le petit doigt. On s'est rencontrés un beau jour sur un site. Un chat pour les jeunes, moins ringard que mythique. Quand je me sens pas bien, je lui envoie un Snapchat. Et pour quelques instants, il voit un petit peu ma chambre. Quand j'aurai mon brevet, moi je partirai de la maison. Mes parents comprendront jamais mes désirs d'évasion. La 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 la, la 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 la, ouais, la 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 la. Au plus petit que trois, c'est un plus petit que et un trois, et ça fait un cœur sur les textos. La 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 la, on s'aime et c'est comme ça. J'ai réorganisé un coin dans l'appartement. Et j'ai aussi acheté quelques boîtes de lubrifiants. Elle sera bien chez nous, dans une petite cage. Y'a un matelas gonflable, une bassine et du matos de bondage. Et je lui ai demandé quel était son fruit préféré. Et dès demain, j'ai fait le stock de capotes parfumées. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mon oncle dormait avec moi. Maman, j'ai pu lever le petit doigt. Ça y est, c'est le grand jour. J'ai fugué de la maison. Et je fonce à la gare pour rejoindre mon compagnon. Et je l'attends sur le quai avec des vieux copains d'avant. Y'a Gérard Depardieu, Benoît Jacquot et Tariq Ramadan. C'est ça, dans ses bras, je lui suisse. J'oublierai tous mes problèmes. On se tiendra la main et on tweetera que l'on s'aime. J'ai déjà l'habitude de m'occuper des gamins. Y'a eu les enfants de mon ex-femme et les filles des voisins. La 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 la, la 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 la, au plus petit que trois de l'amour. On s'aime et c'est comme ça. Marie-Sophie, et j'ai bientôt 26 ans. Mon petit copain m'a fait de beaux enfants. Je n'avais pas pensé à tous les avantages de les garder chez soi pour en faire de l'élevage.
Voilà. Il y a plein de chansons, elles sont pas toutes comme ça. Partez pas tout de suite. Elles sont fatiguées. C'est vrai que nous, on est habitués à vider les salles. Hier, on a joué dans un spot à crack. C'était des vous y étiez, non? Souriez. Non, vous y étiez pas. Vous aviez plus de dents que tout le public. Ça fatigue, hein. Et il y avait plus de monde que ça. Bref, moi je suis bien cramé après le premier morceau là. Je parle parce qu'il faut que je souffle. Ça fatigue, hein. Ah, moi je suis bien cramé là. C'est fatigant, hein. Moi je suis bien cramé. Moi je suis bien cramé là. Fais une pause. Fais une petite pause, vous n'en voulez pas. C'est fatigant, hein. Moi je suis bien cramé. Allez. Vous savez ce que c'est un human centipede? Gigi, tu sais? Tu veux nous expliquer? C'est quoi un human centipede? C'est quatre pattes, ouais. Et la bouche, et le cul, et la bouche, le cul, le cul, la bouche, le cul. Gigi, c'est un clochard, hein. Comme une queue leu-leu, quoi. Oui, c'est presque ça. En fait, c'est dans un film, ils cousent les gens l'anus à la bouche. Ils sont trois. Non. Ils cousent l'anus à la bouche et ça fait un circuit court interne. Non, vous avez pas vu ce film? Bah, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est pas grave. Vous savez, hier qu'on a joué dans le spot à crack, quand j'ai parlé de ça, le public spontanément, ils sont tous mis à quatre pattes, bouche à cul. Ils ont fait un rond comme ça. Ça serait génial que vous le fassiez. C'est aussi. Vrai, ils l'ont fait. Non, ça vous dit pas. C'est pas grave. On va vous faire un morceau sur ça, mais sauf que c'est un human centipede zadiste. Y a pas de zad en Suisse. Vous savez ce que c'est une zad? Oui. Ah oui, il y a des zad. Je sais pas. Bon, mais j'y vais alors. On était jeunes, on était bourrons, on sentait la virée pédo, on en avait marre d'être assis à ne rien faire. On était prêts à sacrifier nos vies pour sauver la planète. Pour le tuer le capitalisme avec une balle dans la tête. On est parti fleurs au fusil dans les milieux militants, mais même les plus endurcis nous paraissaient encore trop tard. Face à l'urgence climatique, fallait plus attendre pour agir. Alors on s'est mis à genoux soudés pour sauver l'avenir. On a fusionné pour lutter contre les écocides en un human centipède sadiste. On clamait le char révolutionnaire écolo. Quand il mange un brocard, ça coule. Aux côtés du mouvement de la terre, des écoféministes avec un centipède sadiste. On a bloqué des autoroutes, des champs, des forêts, des blocus en cousant nos lèvres à nos anus. On était à nuestra lucha, concedo tus avios a mi culo. C'est la parte de la familia, de los antipedos. On était à nuestra lucha, concedo tus avios a mi culo. C'est la parte de la familia, de los antipedos. Face au succès de nos actions, la file si vite allongée, la voix d'une génération. J'étais le premier de cordée, on a mangé notre pain noir, on a versé notre sang. On a apporté de l'espoir à des millions de gens. Même les plus nobles des combats souffrent des divisions internes. On a connu de nombreux cas d'occlusion de l'intestin grêle. On a dissous le centipède, chacun est parti de son côté. Les cicatrices sur nos lèvres témoignent des luttes passées. On a porté notre pierre à l'édifice avec un centipède zadiste. On clame encore le chant révolutionnaire écolo. Cosimo, ça trace mon cas, sale culo. Aux côtés du mouvement de la terre, les écoféministes avec un centipède sadiste. Sans art, sans violence et sans haine, avec un circuit court interne uni dans une puissante chaîne humaine. On était à nuestra lucha, concierto tous avions, fan du culo. C'est la parte de la familia, de los antiperos. On était à nuestra lucha, concierto tous avions, fan du culo. Parte de la familia de los antiperos. De los antiperos. Cosimos estas bocas al culo. Cosimos estas bocas al culo. Vous pouvez vous rapprocher, hein, parce que nous on a fait 8 heures de route aujourd'hui pour venir. Vous pouvez faire 4 pas. Sûr, vous pouvez faire 4 pas. Merci Caris, merci. Ce soir à la basse, avec moi, il y a Caris criminel à Karl Empereur. C'est lui. Il s'est cassé le pied, mais sinon. Il fait ça, non, il fait ça aussi. Merci. Bravo. Solo de basse. C'était impressionnant ça. L'autre côté de jazz, en jazz il y a toujours des solos de basse, donc il y avait un solo. À la guitare, à vélo, il y a Gigi Tastaz. Oui. Salut. J'ai le droit de parler là? Oui, vas-y. Ah cool, là, parce que des fois j'ai pas le droit de parler. Non, je voulais juste dire, parce que ce soir on va dormir à l'hôtel au Formule 1,
Et demain, il faut qu'on se lève tôt pour aller faire un concert. Et moi, en fait, le truc, c'est que quand il faut que je me lève tôt, ça me stresse et j'arrive pas à dormir. Et si je dors pas, on va faire un mauvais concert et ça va faire qu'enchaîner jusqu'à ce qu'on joue à Les Nouilles dans deux jours. Et ce sera une catastrophe si je dors pas. Voilà. Mais par contre, si quelqu'un a un peu de speed à me dépanner, moi, ça m'aide vachement à m'endormir. En général. Voilà. Donc c'est là, vrai. Peut-être au Formule 1, je me sentirais pas trop chez moi, je dormirais pas très bien, mais si j'ai du speed, c'est sûr, je dormirais mieux que si j'en ai pas. Ça, c'est donc, vrai. Et s'il y en a quelqu'un qui est là pour dépanner, bah cool, voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que je vous ai pas trop embêté. Je vais play. Après. Pour la prochaine chanson, parce que là je sens que l'ambiance elle est pas top. Je pense qu'on va faire un truc plus fun. On va parler vacances, on va parler famille, on va parler suicide et grossophobie. Ça s'appelle un suicide collectif en la majeure. C'est une belle chanson, vous allez voir. C'est pas le plafond, mais faut pas hésiter à sauter. Hein. Pas devant la caméra. Il y en a qui peuvent sauter, il y en a qui peuvent pas sauter. Toi, tu peux pas sauter. Toi, tu peux sauter un peu. Donc, là-bas, vous pouvez tous sauter parce qu'il y a de la place. Moi, je saute pas trop. Allez, les enfants, préparez vos affaires. On rejoint maman à Euro Disney. Je mentais. On est parti il y a un mois avec mon frère quand il m'a licencié. Mais avec le cadet Dimitri qui a la mucoviscidose. Et mon aînée Brigitte qui est boulimique, un petit mensonge s'impose. Surtout pour Brigitte, hein, elle fait déjà le pot d'un petit veau. On est passé des branches grand-mère à la maison de retraite. Bouclez vos ceintures à l'arrière, on est parti pour faire la fête. Je mentais, puisqu'on s'arrête de se suicider au parc naturel des Hautes-Pyrénées. Ils ont ri, mais j'avais pilé du Prozac dans leur petit déjeuner. Un suicide collectif en famille dans la forêt. C'est certes un choix impulsif, mais c'est une idée à creuser. Un suicide collectif entouré par ceux qu'on aime. C'est la meilleure manière de régler nos problèmes. C'est notre contribution face à la surpopulation. Bon, la surpopulation, c'est surtout pour Brigitte. Si vous saviez tout ce qu'elle bouffe. Assez bien calé. Dans une clairière, et ça sentait bon le sapin. C'était le début de l'hiver, une rivière coulait non loin. On a fait un dernier goûter, mais Brigitte se coiffrait de gaufre. Mais allez plutôt voir dans la voiture, il y a une surprise dans le coffre. En ce moment, elle est attachée. J'ai quand même pris le temps d'expliquer aux enfants. Dimitri, avec ta maladie, tu vas mourir à tout moment. Alors on t'a évité l'acharnement thérapeutique, hein. Et ma petite Brigitte, tu as tellement grossi que tu ne trouveras jamais d'amis, d'amants ou de mari. Alors autant tout miser sur la prochaine vie. Un suicide collectif, la 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 la. On se retrouve au bout du tunnel, il n'y a qu'à suivre la lumière. Un suicide collectif, la 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 la. Une aventure exceptionnelle dans l'étendue de l'univers. Une aventure spirituelle sans le surplus de la matière. Enfants, vous avez pas bien compris. Je vois que vous souriez. Je vais réexpliquer calmement. En fait, c'est très simple. Maman, c'est le fil rouge. Elle s'asphyxie lentement dans la voiture. On a relié le pot d'échappement à l'habitacle de la voiture. On a tout bien scotché. On a fermé. Toc dans la gueule. Et on a dit au revoir, maman. Au revoir, maman. Pendant ce temps, Brigitte, ma chérie, tu vas passer le nœud coulant autour de ton cou. Non, non, pas du tout, Brigitte. Il faut bien faire rentrer tout le goitre. Ah bah sinon ça ne marche pas. Voilà. C'est bien, maintenant tu vas monter sur le tabouret ma chérie. Et là je vais compter jusqu'à 3. Et à 3 je vais mettre un grand coup de latte dans le tabouret de Brigitte comme ça. Et ça va activer le mécanisme de contrepoids qu'on a fabriqué tout à l'heure avec les cordes et les poulies. Et là ça va débrancher le respirateur artificiel de Dimitri. Donc là Dimitri va faire un... Oh!
quand même le temps de tirer sur papa avec le vieux fusil. Tu sais, je voulais quand même te dire que je suis désolé. Désolé qu'on doive en arriver là. J'aurais tellement voulu que tu sois comme les autres enfants. Que t'aies des amis. Que tu cours dans les champs. Que tu fêtes ton anniversaire. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as tant grossi, bordel de merde? Un suicide collectif, la 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 la. On se retrouve un peu plus tard, papa doit passer par le purgatoire. Un suicide collectif, la 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 la. Dans l'infini du paradis, nous ne serons plus jamais séparés. Un suicide collectif, la 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 la. Si seulement Dimitri, malgré son âge, ne m'avait pas loupé. Moi maintenant tout seul, mais j'ai plus le courage de me suicider. Alors autant te recommencer. Un suicide collectif. Faites du bruit, je t'aime. Ça va, ça se passe bien, ça se passe. Merci. Ça se passe, y'a du monde, y'a des amis, y'a des sourires, genre, ça fait plaisir qu'ils sont là quand même, hein. Ah ouais, ça fait plaisir, Calix, carrément. Ah, franchement, j'ai eu peur là-dedans quand je suis passé avec les 122 ouais. Capotes de speed dans mon cul, là. C'est vrai qu'on a mis 120 boulettes de cocaïne et de speed dans la vie. Si on a 122 boulettes de speed, non. C'est pas la peine qu'ils... Non, parce que ça, on les vend, Gigi, de ta consommation. On nous a dit à la douane, faut pas prendre du merge à tout moment, ric-rac, je sais pas quoi. Bon, si quelqu'un peut acheter du speed et me le donner après... On a bien rempli mon cul avec ça, donc là, j'ai fait la mule aujourd'hui, de même TC Gigi. En tout cas... Si vous êtes intéressé, vous venez nous voir après. Donc vous pouvez mettre des sous là pour nous, parce qu'on est très pauvres et qu'on vient de Toulouse. Moi, il va falloir que j'aille exonérer après le concert, mais après on peut se parler. Voilà. Voilà, si quelqu'un veut de la drogue, il veut nous voir, Caris exonère quelques boulettes. Il va falloir que j'exonère un petit peu, les amis. Il exonère quelques boulettes. Et après, on est là. Et après, on est bon. Après, on est là. Quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, vous venez nous trouver après, peut-être pas devant tout le monde, c'est un peu gênant. Mais en vrai, on n'est pas au prix suisse aussi, nous. On est un prix français. Donc, le taux de change, il y a 0,6 centimes en plus. Ouais, vous gagnez pas grand-chose. C'est combien les speed ici? Monsieur, c'est combien de speed? Un gramme de speed ici. Toi, la casquette, t'avais les badges. Non, mais c'était combien en 92? Comme ça, on fait l'inflation. Tant pis. Bon, on va continuer. Maintenant, tant qu'on est en train de parler vacances, on va continuer un petit peu. Je vais vous raconter mes vacances au bord de l'océan. Ça s'appelle Hier soir, j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase. Je me livre un peu sur cette chanson, je vous demanderai d'être respectueux. Ouais, on juge pas, hein, c'est un safe space ici, donc voilà, il se livre, déjà c'est pas facile. On l'écoute, on respecte, et puis à la fin on lui fait un câlin, quoi. Voilà, c'est pas facile. Devant tout le monde comme ça, c'est pas facile. De chiens mouillés au fond de la gorge, des croûtes de bave séchées ceinturent le pourtour de mes lèvres. Je me réveille face à l'océan, mais comme un verre, le bout salé au vent. J'ai un peu abusé de la côte océane, de ses plaisirs discrets, ses atours et ses charmes, la bande des vieux copains. Cela faisait si longtemps que j'ai accepté de gober ce petit parachute blanc. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase, dans les sédiments onctueux déposés par les vagues. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase, le chaud soleil d'après-midi avait titillé les algues. Je me suis écarté, j'ai longé cette plage où j'étais submergé par des pulsions sauvages. Alors j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase, mais je me suis écorché l'urètre sur un coquillage. On respecte, c'est pas facile. C'est pas encore mal. Aïe. J'ai sauté là. J'avais dessiné dans la vase un beau visage qui me souriait. Mais il n'a pas plu dans ce marécage et la belle dame a séché. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer sous une pluie d'étoiles, la mâchoire crispée. J'étais comme possédé par mes plus bas instincts, alors je ne suis pas allé chercher plus loin. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase, tel Robinson pris de pulsions qui soulage dans un arbre. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase, j'ai le souvenir d'une plaie sensuelle, tiède et suave. Je me suis égaré, j'ai longé cette plage où j'étais submergé par des pulsions sauvages. Alors j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase, mais je garderai les stigmates d'un couteau et d'un crabe. We'll be right back.
l'élève familière me mêle au loin. Je reconnais l'accent de mes vieux copains. Je repars tête basse et me retourne vers le marais. Chut, ce sera notre petit secret. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase. Hier soir j'ai fait l'amour avec un trou dans la vase. Merci. Merci beaucoup. Merci Gigi, merci, c'est gentil. Je vous ai présenté Caris Criminel à la basse tout à l'heure, Gigi à la guitare et aux aides sociales et au chant, moi. Tom Sawyer, je m'appelle. Merci, c'est gentil. Ah, il est là, VDA, VDA, je te vois pas là, t'es à contre-jour, t'es ici, c'est là. C'est, ah, c'est notre chauffeur ivre. Hey, tu me ramènes, là, j'ai un, j'ai deux, j'ai ou trois. J'ai une trois. J'arrive. Tu mets trois, mon amour. J'arrive. Merci, mon amour. Là, c'est le moment talent, normalement. En fait, parce que mes musiciens ne sont pas que des musiciens. Ils ont aussi des super talents. Par exemple, on va commencer par Caris. Caris, il est super fort en grimaces. Est-ce que vous voulez voir les grimaces de Caris? Ça vous dit? Arrête, ça intimide. Est-ce que vous voulez vraiment voir les grimaces de Caris? Ah, ils ont dit oui. Ils ont dit ce soir. Vous allez voir, c'est super. C'est intimidant. Alors, normalement, c'est vrai que tout d'abord, je dirais rapidement que je suis naturel plutôt timide. Mais après, ça fait plaisir de voir tout le monde qui est un peu en mode. Vous avez l'air à l'écoute, hein, quand même. C'est bon, il y a du monde. Ça fait plaisir, la Suisse. Alors, c'est vrai que tout d'abord, j'étais très bon en grimace. Alors, ma première grimace, je connais celle-là, là. C'est ça? C'est impressionnant. Non, c'est bizarre. Attends, il y a la caméra, faut bien montrer. Alors, première grimace, moi, c'est celle-là. Ça, c'est une autre idée. Après, j'en connais une autre, tu fais ça. Là. Imagine, là, imaginez, vous êtes dans la rue, il fait noir, un gajo, là, il fait. Achète-moi 10 000 francs suisses, ou sinon je te laisse le cloac, je te pute. Ah, ça, ça fait peur. Après, j'ai celle-là, elle est un peu facile, mais elle est bien. Celle-là, elle fait un peu speeder, mais ça va, c'est pas grand-chose. Après, sinon, j'ai celle-là. Ça, tu prends un masque et tu mets dans ta gueule. Et... Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Je suis moche! Je suis moche! Attention à ton pied. Hein. Je suis bien moche! Je suis moche! C'est les grimaces de Caris, criminel à la grimace, au piano, au synthé. Voilà, je donne des cours de grimace sur Snapchat. Bravo, bravo, s'il vous plaît, on applaudit, c'était beau. Ah, ça fatigue. Et vous allez voir. Et maintenant, Gigi, un super numéro de clown! Bon, tu le fais après? D'accord, c'est pas grave. On va enchaîner un peu. Non, c'est pas grave, écoute, on va faire sans. Je sais ce qu'on va faire. Pendant que tu fais tes petites affaires, on va vous jouer une jolie chanson d'amour, ça vous dit? Histoire de. Un peu, que ça passer un beau moment aussi. C'est une belle chanson d'amour, c'est une chanson d'amour entre deux junkies qui s'appelle Les chiens lâcheront nos escars. Si vous savez pas ce que c'est un escar, vous pouvez googler. Vas-y, google escar. Avec deux R. C'est bon? Tu peux le faire pour le plaisir, pour te mettre dans la chanson, non? C'est à la salle du show, tu crois que l'on s'est rencontrés. Je venais vendre de la poudre et t'avais pas de quoi payer. T'avais déjà vendu un rein, moi aussi. On avait des points communs, je t'ai dit. J'ai l'hépatite au zénith et tes petits seins me surexcitent. Je te propose des doses gratuites pour du Covid très créatif. Je t'inventerai un domaine où les veines ne nécrosent pas. Vivrons une vie malsaine qui nous achèvera. Viens, partons à l'aventure. Vers de vastes prés verdoyants. Ce matelas, rempli de moisissures, sera notre tapis volant. Tu trembles dans cette couverture, maculée d'urine et de gale. Si nous voulons prolonger l'aventure, les chiens lâcheront nos escars. Les chiens lâcheront nos escars. On cassait la routine à la méta-amphétamine. On mélangeait nos syphilis après des fixes d'héroïne. Je faisais chauffer la cuillère quand tu t'es enfin décidé à larguer ton tuteur et à te faire avorter. Tu t'éclateras à la basilique, je baserai des narcotiques. On vivra squat en crack, une autodestruction cosmique. Nous n'aurons plus la lueur du jour, perdu dans la noire sans profane. Je serai ton dealer et tu seras ma putacam.
viens, partons à l'aventure. Vers de vastes prés verdoyants, ce matelas rempli de moisissures sera notre tapis volant. Tu trembles par cette couverture maculée d'urine et de gale. Si nous voulons prolonger l'aventure, les chiens lécheront nos escales. Les chiens lâcheront nos escales. Mais comme une gamine capricieuse qui s'invite de ses jouets pour arrêter l'intraveineuse, t'as décidé de m'abandonner. Tu m'as jeté comme une seringue qui aurait salé 5 ou 6 fois. Tu m'as dit que t'étais en sage, j'ai t'amassé une dernière fois. Je me suis retrouvé seul et j'ai fait mon deuil. Je voulais pas te revoir, encore moins faire le trottoir. Violente était ma haine, mais grande était ma peine. Je pouvais plus verser de larmes, alors j'ai fait pleurer mes peines. Moi je voulais partir à l'aventure, vers de vastes prés verdoyants. Ce matelas rempli de moisissures était notre tapis volant. Je tremble sans cette couverture maculée d'urine et de gale. Moi je voulais partir à l'aventure, et maintenant les chiens lèchent mes escarres. Les chiens lèchent mes escarres. Merci, c'est Tom Suel et Petit Grégory. On est super sympa. Si vous aimez notre concert, n'hésitez pas à nous recommander aux gens que vous aimez. Si vous aimez pas du tout, n'hésitez pas à nous recommander aux gens que vous aimez pas. Ça les emmerde, ça nous fait du public. Et voilà, c'est donnant-donnant. C'est cool. Oui, elle vient de Gigi, ça va? Ouais, ça va, mais en fait, je viens de me... La bulle? J'ai que celle-là pour les 3 prochains jours. C'est rare, mais ça fait un peu chier. Il doit y avoir des pharmacies en Suisse. Ouais, il y en a. Et là, je sais, on en est au moment du concert, vous vous dites, putain, ce groupe, c'est pas mal et tout, mais je vois leur hommage, tu vois, on voit qu'on est fait pour une carrière internationale. On vient de Toulouse, on joue en Suisse, là, mais le step d'après, c'est les États-Unis. Clairement, moi je pense qu'on est vraiment un groupe calibré pour la Californie. Et du coup, on a fait un morceau pour percer aux États-Unis parce que c'est notre rêve ultime. J'espère qu'il vous plaira. C'est pas celui-là. Ah lui, il a un beaucoup plus gros pénis que moi, hein. C'est vrai. Peut-être, je sais pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bref, du coup, on a fait un super morceau pour perso aux États-Unis, ça s'appelle Brendan. Ça parle des États-Unis, quoi. Ouais. On s'est dit, ils aiment bien qu'on parle d'eux. Brendan est le plus populaire du lycée. Il a les dents qui veulent rien qu'en faire mais musclé. C'est le capitaine de l'équipe. Le point d'embarque. Et ensuite vient son père, un vétéran d'Irak. Il aime trop Chelsea Cheerleaders. Elle aime trop, il est trop beau. Ils vont manger des hamburgers et s'embrasser sous le drapeau. USA. Dans une Cadillac, les cheveux dans le vent. Blanc, anglo-saxon et protestant. La nuit sera folle et l'alcool coule à flot. Les garçons en Marcel et les filles en maillot. Au château, le soleil brille pour la remise des diplômes. Tout le monde se prépare à monter sur le podium. L'année prochaine, il sera à Arvin. Ce soir, ils vont faire l'amour sur la pelouse du stade. Prends son petit déjeuner. Sa mère lui a amené ses œufs au bacon préféré. Maîtris d'une soudaine pulsion avec un ami obèse. Il s'en va au lycée avec son M16. C'est l'Amérique, hein. Ah.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il faut appeler la police. Les crises et les sirènes approchent dans la nuit. C'est qu'au dingo, tout leur est permis. On les adore, ils sont drôles, blagueurs et coquins. Un uniforme, un flingue et des serpentins. Ils se déplacent en meute, ils sont si courageux. Vu qu'au dingo s'éclate, la vie n'est qu'un jeu. On les aime, ils nous protègent, c'est coquichon à bord. Regarde maman, ils t'abassent évidemment, fauteuil roulant. Dans le épisode précédent, les flics au dingo ont profité d'un contrôle au faciès pour commettre un meurtre. Flico, flico dingo. Policier siphonné du ciboulot. Flico, complètement marteau. Blagueur, buveur, bagarreur, toujours de bonne humeur. Flico dingo. Ils sont vraiment dingos. Et de horde de super méchants manifestants. Flico dingo, super pouvoir de désencerclement. Coco grenade au dingo, mal en caoutchouc. Attention les yeux, tire dans la frime. Vous si sans vous ferez tout pour réussir une fête. Ce soir c'est ton cours de tir sur chien de SDF. Ils défendent les gentils, les faibles et les opprimés. Regarde maman, ils démontent les temps des sans-papiers. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les flics au dingo se font graisser la patte par un gros dealer d'héroïne. Flico, flico dingo, police siphonné du ciboulot. Flico, complètement marteau, alcoolique, excentrique et raciste, mais jamais triste. Flico dingo. Je sais pas comment ça marche ici. Chez nous en France, les policiers, ils sont sympas. Ils sont sympas chez vous les policiers. Ouais, c'est mitigé, mitigé. Fais comme d'hab. Nous, chez nous, on joue dans un disquaire, dans une cave, tout le monde fait cab. Je sais plus mesurer, c'est bien. En tout cas, chez nous, dans la nuit chaude et dangereuse, il n'existe qu'un rempart contre les étrangers. Nous, pour vous, c'est ça. Mais eux, c'est plutôt les étrangers, enfin, pas les mêmes genres d'étrangers, quoi. Enfin, bon, les étrangers, pas les étrangers blancs, vous avez compris. Les étrangers, les terroristes écologistes. Ça y en a, voilà. Non, mais les cons encore, non. Attends, les terroristes écologistes, les gens du spectacle, c'est très très dangereux. Puis nous, on a des gens chez nous, c'est pire que tout. On les appelle, comme monsieur, les islamo-gauchistes. Vous avez ça ici ou chez vous, les islamo-gauchistes? C'est déjà, ils se mettent 5 fois par jour, ils se tournent vers l'université du Mirail, chez nous, ils récitent du Jean Jaurès. C'est terrible. Enfin bref, il faut nous protéger de ces gens-là. Et nous, chez nous, il y a quelque chose qui s'appelle les flicots dingos. C'est des cow-boys déjantés des temps modernes. Ils sont cool. Ils sont relax. On tue des gens. On tue des gens. Oh, le scooter. Ça enchaîne pas. Mais, quand on les appelle, au bout d'un moment, ils finissent par arriver. Ivre et quand même armé. Dans le prochain épisode, les flics au dingo remettent en question la parole d'une jeune fille violée. Flico, flico dingo, policier siphonné du ciboulot. Flico, complètement marteau, voyou ribou filou mais toujours fou 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 fou. Flico dingo, policier siphonné du ciboulot. Flico, complètement marteau, et chiffré frappé, c'est les Applaudissez-vous. Merci beaucoup, on approche de la fin, bien sûr. Et je vous avoue un truc, en fait, c'est cool, on se sent comme à la maison, en fait. On traverse une frontière et puis on est les mêmes gens. Ça fait plaisir. Vous aussi, vous touchez les aides sociales? Non, pas tous. Si vous touchez pas les aides sociales, n'hésitez pas à nous donner un peu d'argent, parce que nous, oui.
Nous, ce matin, avant de partir, on était super stressés. On a dit, ouais, mais Genève, on connaît pas le public et tout. Et on nous a dit, c'est comme en France, c'est pareil. Il faut qu'ils les fassent participer. Alors, il faut les faire, par exemple, danser, chanter ou juste lever les bras, un truc comme ça. Alors, on va essayer. Est-ce que tout le monde veut bien lever les bras, s'il vous plaît? Tout le monde lève les bras. Tout le monde lève les bras. Tout le monde lève les bras. Attends, tu vas aimer la chanson, restez là, restez là. Attends, après on fait quoi? Ah, je sais pas ce qu'on fait après, moi je te dis de faire lever les bras. Non, en fait, je crois que j'ai compris. Non, attendez, baissez les bras. Je crois que j'ai compris le truc, c'est qu'il faut lever les bras, mais pendant le morceau. C'est ça. C'est un morceau sur un copain à moi qui s'appelle Marin. Il fait partie de cette nombreuse personne qui a un prénom qui est aussi un métier comme. Mais qui n'est pas le leur. C'est le papa de. Bon, Marin quoi. Ouais. Ah, ben film pour le papa de ton pote, mais. On va essayer des trucs. Mon copain marin a un léger problème, un côté enfantin qui dans son quotidien le gêne. Mais voilà, tout le monde, on essaye. Malgré ses 26 ans, pas mal. Au moment de dîner, il dégrafe le chemisier de sa maman. Et réclame la tétée. On dirait comme un petit chat qui aurait soif de lait. Miaou. Ouais, miaou. Miaou. C'est un peu intéressant quand même. C'est un peu mignon avec les câlinés. C'est mime, c'est. Bon, on va lever les bras. Comment faire pour sortir de l'étreinte des gros seins de sa mère? Ses troubles alimentaires entraient chez lui de sérieuses carences. Et le psychologue de son père lui pense à un manque de confiance. T'as réussi à faire fuir le tigre en criant. Technique intéressante. Dernier couplet, on va se concentrer sur les bras. Pour régler ses tourments, mon copain marin assume désormais pleinement son petit côté gamin. Jamais il ne se sent mieux qu'au milieu des mamelles maternelles. Il décide même de grandir un peu en couchant avec elle. Merci beaucoup l'urgence Lys Record. Venez voir des concerts tous les soirs parce que c'est un super lieu. Merci beaucoup Damien. On applaudit Damien s'il vous plaît. Merci beaucoup Damien. Ce soir avec moi il y avait Gigi à la guitare.
Il y avait Caris, criminel à Calempereur. Ah, c'est vraiment après le concert, j'ai toujours 122 capots de jeu dans le cul. Ouais, il y avait Tom Sawyer et moi, c'est vrai. On va faire une dernière chanson parce que on voudrait faire passer au moins un message politique dans ce couplet, dans ce show. Et nous, notre message politique, il est simple. Nous, on va plus aller voter de nos vies parce qu'on a trouvé un truc mieux. C'est juste couper des têtes. Ça s'appelle une révolution bolchevique. Merci l'urgence Discord. Nous sommes enfin de droit, travailleurs pauvres au RSA. Commençons par brûler un Bardella. Le cancer de l'Est, la nation génère la maîtrise de soi. Puis nous sortirons la guillotine pour faire couler le sang bleu marine. Et ils ne comprendront que la peur. Par une série de décapitations, nous instaurerons l'état de terreur. Nous voulons... Qu'est-ce que nous voulons une révolution bolchevique. Politique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Une révolution bolchevique. Une épuration politique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Révolution sanguinaire débouche sur des états totalitaires, mais ça peut quand même nous soulager. Ça fait toujours du plus impuissant et où ça peut être taillé. Nous ne nous arrêterons pas là, nous éteindrons le Parlement et le Sénat. Ils regretteront de s'être tant moqués de nous. Quand les lames inclinées, ces émous s'étrancheront leur cou. Nous voulons, nous voulons une révolution bolchevique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Une révolution bolchevique. Une institution publique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout d'une pique. Merci, c'est un sujet, le petit Grégory. C'est un super moment, merci à vous. Là, en général, j'appelle à couper des têtes du maire de ma ville. Mais qui veut vous les couper la tête ici? Quelqu'un? Non, personne? Tout le monde est sympa? Bah c'est marrant, on va couper des têtes chez moi. Ah je sais, je vais faire le Seigneur des Anneaux. Ce soir au crépuscule, ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Voilà. Ah oui, pour les terres du monde entier, ensemble, nous sommes plus nombreux que tout seuls. C'est pas con, hein. Bah là, en général... Moi dans ma ville il y a un maire qui s'appelle Jean-Luc Moudinc. Vous le connaissez pas, c'est pas grave. Mais là je dis, comment lui mettre un capicou dans le cul. Une révolution bolchevique. Une épuration politique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout du pic. C'est la révolution marchée. Quelques exécutions publiques. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout du putain de pic. Merci. Merci beaucoup, c'était Dame Sur et le petit Grégory, j'espère que ça vous a plu. A bientôt. On joue samedi au festival Punk à la Villa Tacchini si vous avez aimé. Ramenez des gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, ben ramenez des gens que vous aimez pas, vous avez compris maintenant. On vous fait des gros bisous, merci Damien, merci Jean Sicor, merci à vous. Et on boit des bières d'or un peu si vous voulez. Merci. C'est une chanson avec un texte profond pour terminer. Bisous.